Aimer comme Dieu me paraît tellement difficile. Comment faire? Comment je fais pour devenir un acteur, un participant? Comment je fais pour coopérer avec l'Esprit de Dieu pour voir manifester cette église enracinée et fondée dans l'amour, pour parvenir à un tel environnement? Ou un tel environnement enraciné, fondé dans l'amour, avec des gens qui sont aussi chargés et fatigués. Ce que j'appelle, quelqu'un a pesé ça, des blessés de guerre, des blessés de forteresse. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 1 à 17, il est écrit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, alors lis bien attentivement, suis-moi, je t'en prie, suis-moi bien. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La version seconde classique dit: affectionnez-vous, ayez de l'affection, ayez de l'amitié, ayez de l'intérêt aux choses d'en haut, aux choses célestes et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bon, je suis habitué à lui, second qui dit: car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, notre vie apparaîtra, alors nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir. Quand il dit faites donc mourir, ça veut dire que... écoute-moi bien, s'il te plaît. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là? S'il dit faites donc mourir, ça veut dire que la capacité à faire donc mourir va dépendre de ta capacité à... t'attacher aux choses d'en haut. C'est ça qui va déterminer ta capacité à faire mourir. Faire mourir quoi? Faire mourir en vous ce qui est terrestre. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les jalousies, les colères, les rejets, les impudicités, toutes ces choses qui troublent ton âme là. Les mauvais désirs et la soif de posséder, c'est-à-dire la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion ou les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Il faut renoncer. Mais tout ça va dépendre de ta capacité à t'affectionner, t'attacher aux réalités d'en haut, pour manifester la dimension d'une vie transformée. Individuellement, chacun doit commencer par s'affectionner, par penser aux choses d'en haut, par désirer les choses d'en haut, par bien aimer les choses d'en haut, par être intéressé par les choses d'en haut. Penser aux choses d'en haut, ça veut dire quoi? Pense éternité, pense la gloire à venir, pense à Christ, fais de lui ton référentiel, fais de lui ta borne, fais de lui ton point de repère. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut. Ça veut dire, voyez-vous comme des êtres célestes. Écoute, la manière dont tu vivras dépend toujours de la manière dont tu te vois. Si tu te vois comme un voleur, tu vivras comme un voleur. Si tu te vois comme quelqu'un de saint, tu vivras comme quelqu'un de saint. Tout ce que tu fais dépend toujours de comment tu te vois, c'est-à-dire, quelle est l'image que tu as de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Vision. Tu ne peux pas, si tu veux vivre comme un extraterrestre, tu dois te voir d'abord comme un extraterrestre. C'est pour ça qu'il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire en fait, vois-toi comme un citoyen du ciel. La raison pour laquelle tu combats avec certains problèmes terrestres, charnels, c'est parce que tu n'as pas d'abord accepté que tu es un citoyen céleste. Focalise-toi, pense aux choses d'en haut. Vois-toi comme étant quelqu'un qui vient d'en haut. 2, dépouille-toi. 3, dépouille-toi de ton vieil homme. 3, revêt-toi de l'homme nouveau. Quand tu veux changer quelqu'un, ne travaille pas sur le faire. Expose-le à qui il est véritablement. Parce que ce qu'il fait révèle ce qu'il pense de lui. Alors assieds en elle, en lui, la culture de l'identité. Parce que quand l'identité sera rentrée, tel il est, tel, quand ça sera rentré en toi, tu ne lutteras plus avec l'impudicité. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui va te délivrer de la méchanceté que tu manifestes. C'est une rencontre, une révélation. Avec la vérité, il va te révéler qu'en fait, tu es comme moi. Tu es
de ma race. Je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance. En fait, tu te bats parce que tu n'as pas compris qui tu es. Accepte ce que je te dis. Tu es saint. Tu es bon parce que je suis bon. Tu es humble et doux de cœur parce que je suis humble et doux. Je t'ai créé comme moi. C'est pour ça que le diable est appelé le prince des ténèbres. Parce qu'il règne à travers les ténèbres. C'est-à-dire qu'il met l'obscurité pour que tu ne vois pas la vérité. Ta vie ne change pas tant que la manière dont tu te vois ne change pas. Attache-toi. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Et quand tu es projeté là, dans cette conscience, des choses spirituelles d'en haut, sans faire d'effort, ça te garde dans les hauteurs. Au verset 9, il dit, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements. Donc, la première étape, focalise-toi sur les choses d'en haut. Deuxièmement, il te dit, dépouille-toi. Alors, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui refusent de se dépouiller. Le vieil homme, c'est l'homme qui habitait avant en toi, avant ta nouvelle naissance. Cet homme, on l'appelait Adam. Mais depuis que tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit, dans la maison que je suis, dans la maison de mon corps, il y a un nouveau résident. Comme le Romains, chapitre 6, versets 6 à 7, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors, il y a des gens qui continuent de pratiquer les mêmes agissements qu'avant, parce qu'ils ne veulent pas changer. Il y en a, parce qu'ils n'ont pas compris la révélation que leur vieil homme, celui qui les faisait pécher, il a été crucifié. Mais oui, mais pourquoi est-ce que je manifeste les mêmes pulsions, les mêmes comportements qu'hier? C'est parce que tu n'as pas accepté. Tu veux te battre, mais tu n'as pas commencé par l'identité. Tant que tu n'as pas accepté d'être une nouvelle personne, tu vas continuer de faire les mêmes anciennes choses. C'est pour ça que dans Romains 6, au verset 11, il dit « Ainsi, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, « Dieu travaille en vous. Il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Ce ne sont pas tes efforts. En fait, le combat spirituel, c'est dans les pensées. Tous les combats sont dans la pensée. Et le premier d'entre eux, c'est le combat qui consiste à asseoir en toi la conscience de la vérité concernant qui tu es. Le fait d'avoir en permanence les yeux fixés sur les choses d'en haut, fais en sorte que même quand tu souffres, tu payes le prix. Tu es content de payer le prix parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas vain. Même si les gens ne t'apprécient pas, tu n'as pas besoin d'acclamation des gens, tu as besoin de l'approbation du Père. Alors, la conscience qu'il faut que le Père prenne plaisir tant que c'est en toi, en fait, ça te détache automatiquement des choses qui te retenaient. 3. Revêt-toi de l'homme nouveau. Il dit au verset 9, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau. Au verset 12, il dit, ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, de compassion, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Au verset 14, il dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, il t'appelle à te dépouiller pour te revêtir. Il dit de revêtir, un, l'homme nouveau. 2, des entrailles de miséricorde. Alors, laisse-moi montrer que quand il dit revêt-toi, c'est le même mot grec qui est utilisé dans Éphésiens 6, verset 12, pour dire revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand Dieu dit revêt-toi, tu dois comprendre une chose. Il t'a donné l'héritage. Sauf que quand Dieu te donne quelque chose, il te le met à disposition. Et l'héritage, en vérité, dont je parle, est en toi. L'amour est en toi par le Saint-Esprit. La douceur est en toi par le Saint-Esprit. La miséricorde est en toi par le Saint-Esprit. L'homme nouveau, c'est ce que tu es devenu par le Saint-Esprit qui est rentré en toi. Dieu m'a dit, il y a des choses qu'il fait et puis il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il met à disposition, c'est à toi de prendre ce qu'il a mis et puis de revêtir. J'ai regardé pour toi dans le dictionnaire grec ce que signifie revêtir. Il y a deux synonymes qui m'ont interpellé. Premier, c'est s'introduire. La chose est là, mais il va falloir que tu rentres à l'intérieur. Deux, c'est s'enfoncer. Alors comment on rentre dans ce revêtement? Et c'est important parce que juste après le revêtement, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Alors tu comprends que la capacité à se supporter dépend de ta capacité d'abord à rentrer dans l'homme nouveau. Toi, tu veux essayer de supporter les gens sans avoir revêtu l'homme nouveau. C'est pour ça que tu craques. Pour pardonner, il faut dire au Seigneur de vivre en toi. Dis, je renonce à moi-même. Moi, j'y arrive pas. Il va te dire, ça tombe bien. C'est moi qui produis en toi le vouloir et le faire. C'est mon bon plaisir. N'attaque pas un méchant par la méchanceté. Attaque-le par la bonté. Jacques 4, verset 11. Il te dit, ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère, parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Ce texte dit que lorsque tu parles mal de ton frère ou de ta sœur, quelque chose qu'il a fait, c'est pas contre la personne que tu es en train de mal parler. Il dit, tu es en train de parler mal de la loi. Tu remets en cause la souveraineté de Dieu qui a établi cette loi. Et c'est comme si tu veux te substituer à Dieu. Et donc, chaque fois que tu veux prendre la place du juge, ben, tu vas être jugé pour avoir voulu prendre la place du juste juge. Et dans Jacques chapitre 5, verset 9, il dit, ne vous plaignez pas
pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. La langue est le seul membre de ton corps qui est un feu. L'Esprit m'a dit, quand tu vois ton frère, ta sœur, faire des choses que tu ne supportes pas, transforme tes frustrations en supplications et en intercessions. Je finis en te partageant une réflexion. Quand tu lis la parabole où le Seigneur, dans Matthieu 18, versets 23 à 35, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un, et ça c'est ton histoire et mon histoire, qui devait 10 000 talents. Alors comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût acquittée. Maintenant, en sortant de chez le roi, il rencontre un frère qui lui devait 100 deniers. Il dit, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le supplia, aie patience envers moi, je te paierai. Il n'a pas voulu annuler une dette. Alors, pourquoi l'homme à qui on devait 100 deniers n'a pas effacé la dette? L'Esprit m'a dit, c'est parce que lui-même, il a oublié le montant de la dette qu'on a effacé pour lui. Le manque de pardon est le seul péché qui fait réapparaître dans ta vie ce que le sang de Jésus avait effacé. Je finis. Tu commences par la conscience. 2. Dépouille-toi. Revais-toi. L'Esprit m'a dit, si tu comprends, tu médites, tu réfléchis à ce qu'il vient de te dire, tu vas comprendre que c'est la conscience de la vérité qui te délivre. Garder les rancœurs n'est pas une fatalité. On peut sortir de là en se revêtant d'abord. Et puis maintenant, le revêtement te rend capable d'opérer. Que ce soit ton partage et ton expérience.